Shalom, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Merci pour ce temps. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore aujourd'hui de parler de lui, de prêcher son évangile, d'annoncer son nom, de glorifier son nom. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Et le moment que nous allons passer ensemble, ça va te faire du bien. Dieu va te bénir au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Seigneur te fera du bien aujourd'hui. Le Seigneur t'apportera quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux. Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Je te promets, Dieu accomplira quelque chose dans ta vie. Dieu fera un miracle dans ta vie. Dieu produira quelque chose de merveilleux dans ta vie, dans ce programme que tu vas suivre. Nous prions et nous commençons. Père Saint, nous te rendons gloire, nous élevons ton saint nom. Nous te sommes tellement reconnaissants. En ces temps où la maladie frappe beaucoup de personnes, où il y a beaucoup de morts, nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé. Nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, nos bien-aimés, ceux qui comptent pour nous, sont en bonne santé. Nous n'avons rien perdu, nous n'avons perdu personne. C'est une grâce. Et nous te sommes reconnaissants. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité d'être devant toi pour écouter ta parole, pour entendre ta voix, pour être touché par ton onction et recevoir de toi. Guéris les malades, sauve les perdus, libère les captifs, ouvre les yeux des aveugles, publie une année de grâce et annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Manifeste-toi, ô Seigneur, afin de montrer au monde entier que c'est toi le Fils de Dieu. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Shalom à tout le monde. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Prends ta Bible dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. La Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 ceci: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Le thème sur lequel je prêche brièvement aujourd'hui s'intitule « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ». Sur la base de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10 que nous venons de lire, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. S'il y a une chose dont tu as besoin dans les temps qui courent, dans les moments particuliers dans lesquels nous nous trouvons en ce moment, dans ces temps, dans ces derniers temps, dans ce dernier virage de l'humanité, dans les temps bizarres, les temps spéciaux, les temps particuliers dans lesquels nous sommes, c'est de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Dans tous les aspects de ta vie, tu as besoin en ce moment, plus que jamais, de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est nécessaire pour toi. La grâce de Dieu sera nécessaire pour ta femme. La grâce de Dieu sera nécessaire pour ton mari. La grâce de Dieu sera nécessaire pour tes enfants. La grâce de Dieu sera nécessaire pour tes affaires. La grâce de Dieu sera nécessaire pour ta femme. La grâce de Dieu sera nécessaire pour tout ce que tu aimes et tout ce qui compte pour toi. Et tout ce même pour qui tu comptes. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur t'a donné rendez-vous aujourd'hui pour entendre ce message. Pour que
de ta maison où tu es connecté, de la chambre de laquelle tu suis ce message, du salon depuis lequel tu regardes, de la cuisine depuis laquelle tu regardes, quel que soit l'endroit de ta maison duquel, duquel tu suis ce message, ma prière pour toi en ce jour, c'est que la grâce de Dieu te localise dans cet endroit. C'est que la grâce de Dieu te localise dans cet endroit. C'est que la grâce de Dieu te localise dans cet endroit. C'est que la grâce de Dieu te localise dans cet endroit. C'est que la grâce de Dieu te localise dans cet endroit. Car tu as besoin de cette grâce-là. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi attentivement. La grâce de Dieu, je vais te donner la définition la plus brève et la plus, je dirais, la plus précise que j'ai pu trouver par la grâce de Dieu. la définition de la grâce de Dieu que j'ai pu trouver, la plus brève et la plus précise et la plus claire que j'ai pu trouver de la grâce de Dieu, afin que tu sois encore plus à l'aise. Écris ce que je vais te dire pour que tu puisses comprendre plus clairement les choses. La grâce de Dieu est une aide que Dieu apporte à l'homme. La grâce de Dieu est une aide. C'est une aide divine. C'est une aide que Dieu apporte à l'homme. C'est l'aide que Dieu te donne. C'est le coup de pouce de Dieu. C'est le coup de main de Dieu. C'est l'aide que Dieu t'apporte. La grâce de Dieu est une aide que Dieu apporte à l'homme. La grâce de Dieu évite à l'homme des efforts supplémentaires pour obtenir ce dont il a besoin pour son épanouissement. La grâce de Dieu évite à l'homme de faire des efforts supplémentaires pour obtenir ce dont il a besoin pour, n'est-ce pas, son épanouissement. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour t'aider à éviter de travailler 10 fois plus que ton père pour arriver à son stade ou pour arriver même souvent à sa moitié. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, elle t'apporte de l'aide. Elle t'apporte un soutien. Et ce soutien-là divise tes efforts. Mais cela ne divise pas le résultat que tu vas obtenir dans les efforts que tu vas mettre. La Bible dit en Romains chapitre 11, verset 5, que de même dans le temps présent, il existe un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par les œuvres, or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Tu comprends? Si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne sont plus une œuvre. Lorsque la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, les efforts qu'il doit faire sont divisés en deux par cette grâce-là. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, que nous avons lu, il y a une deuxième partie où Paul dit, « Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ça veut dire que la grâce de Dieu vient prendre une partie de ton travail. Et toi, tu accomplis une autre partie du travail. Mais tu as le même résultat. Ce pourquoi tu devais travailler 10 ans, en 5 ans, en 4 ans, en 3 ans, Dieu peut te le donner quand sa grâce vient sur toi. Ce qui normalement devait te demander 20 ans de sacrifice, quand la grâce vient sur toi, tu peux l'obtenir en 10 ans, tu peux l'obtenir en 8 ans. Contrairement à ceux qui vont sacrifier leur âme au diable. Et le diable réduit leurs années pour les bénir, pour les rendre riches. Toi, avec la grâce de Dieu, sans vendre ton âme à qui que ce soit, Dieu réduit le nombre des années de tes efforts. C'est pourquoi Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, mais ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est la grâce de Dieu qui est avec moi qui a travaillé. Or, nous savons que Paul a dû bosser dur pour avoir un nom parmi les apôtres. Mais l'ascension, la croissance, la montée vertigineuse avec laquelle Paul a eu un nom au milieu de l'église de Jérusalem et de Antioche et dans le monde entier, fait peur. Paul a vite évolué. Paul s'est vite développé. Paul
a vite percé dans le ministère. Paul a eu un nom incroyable dans le ministère. Mais qu'est-ce qui a fait ce travail-là? Qu'est-ce qui a donné de la valeur à ce travail? Il dit en 1 Corinthiens 15, 10 que c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que la grâce de Dieu est une aide divine. C'est l'aide que Dieu apporte à l'homme. La grâce de Dieu vient te permettre d'éviter de faire des efforts supplémentaires pour obtenir ce dont tu as besoin pour ton épanouissement. Donc, ce que tu devais avoir en 10 ans, tu peux l'avoir en 5 ans par la grâce de Dieu. Ce que tu devais avoir en 20 ans, tu peux l'avoir en 8 ans par la grâce de Dieu. Ce que les hommes aussi te refusent, Dieu peut te l'accorder par sa grâce. Ce que tes connexions n'ont pas pu te donner, Dieu peut te l'accorder par sa grâce. C'est pourquoi pendant que tu me suis, je prie pour toi que Dieu t'accorde sa grâce. Au nom de Jésus, la Bible dit en Hébreux, chapitre 12, verset 15, que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il est important que tu aies cette grâce-là avec toi, afin que tu puisses être à l'aise dans ce monde. Parce que les choses sont déjà assez difficiles et insupportables sur cette terre. Si tu n'as pas la grâce, tu vas sentir le poids des années. Tu vas sentir le poids du travail. Tu vas sentir le poids des efforts. Tu vas sentir les douleurs. Tu vas sentir les difficultés. Tu vas sentir et tu n'auras pas l'envie de continuer. Mais quand la grâce vient, elle t'aide. Quand la grâce vient, elle te soutient. Que ce soit dans ton foyer, elle te soutient. Que ce soit dans tes affaires, elle te soutient. Que ce soit dans le ministère, elle te soutient. Que ce soit dans ta carrière, elle te soutient. Quel que soit le domaine, quand la grâce de Dieu vient, elle te soutient. Elle te donne du souffle. Elle te donne de la vigueur. Elle te redonne de l'espérance. Elle te redonne du jus. Elle te redonne de l'électricité. Elle te redonne du dynamisme. Et elle te pousse vers l'avant. Et elle te fait obtenir des résultats au-delà de ton espérance. Je prophétise dans ta vie, pendant que tu m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, dans les domaines où tu avais manqué de grâce, Dieu te donne sa grâce au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. La grâce de Dieu fait trois choses. Je vais te montrer trois choses que la grâce de Dieu fait. Elle fait plusieurs. Mais je vais te montrer en ce jour trois choses particulières que la grâce produit. Numéro un. Mais je t'en numéro un. La grâce de Dieu donne un statut. La grâce de Dieu donne un statut. Un statut dans le sens de un nom. Un statut dans le sens de une identité. Un statut dans le sens d'une personnalité. Quand la grâce de Dieu, numéro un, j'ai dit, je vais te montrer trois choses que fait la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Numéro un, la grâce de Dieu donne un statut. Quand la grâce de Dieu vient, toi, elle vient sur toi, elle te donne un statut. Ça veut dire qu'elle te donne une identité. Elle te donne de la personnalité. Elle te révèle, elle fait qu'on te remarque. Là où on ne te remarquait pas avant, là où tu étais invisible avant, là où tu étais anonyme, la grâce de Dieu, quand elle arrive, en fait, cette aide divine-là, cette puissance divine-là, cet esprit-là, quand il vient sur toi, il te rend visible. Il te rend visible et puis il fait que les gens te voient, les gens voient ce que tu fais. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, qui est notre passage de base, notre parole de base, notre verset de base. La Bible, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Donc, ça veut dire que Paul a été fait par la grâce de Dieu. Ce qu'il est, c'est la grâce qui a fait qu'il est cela. C'est la grâce qui lui a donné l'identité apostolique qu'il a eue et qui était respectée et considérée même parmi les grands, c'est-à-dire par Pierre, par Jean, par Jacques. Par ces trois colonnes de l'église, ils respectaient Paul. Dans l'une des épîtres de Pierre, Pierre parle de Paul. Paul était respecté et apprécié de tous. Il avait un nom. Maintenant, qui lui a donné ce nom-là? C'est la grâce que Dieu a libérée sur lui. En 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Paul dit, Dieu lui a répondu, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens 12, 9, il dit, ma grâce te suffit. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, elle te donne un statut. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et puis être un anonyme. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et puis ne pas être connu.
Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et puis on va te négliger. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu sur toi et puis tu vas passer inaperçu. La Bible déclare dans Luc chapitre 2 que Jésus avait la grâce de Dieu. Enfant, à 12 ans, il grandissait en grâce, il grandissait en stature, déjà devant Dieu et devant les hommes. Jésus ne manquait pas de grâce. C'est pour cela que partout où il est passé, son nom a impacté. La grâce de Dieu te donne un statut. La grâce de Dieu fait qu'on te remarque. La grâce de Dieu fait que quand tu travailles, le peu de travail que tu as fait là, c'est pour toi en remarque. Les autres ont fait la même chose que toi. Toi, tu as fait la même chose que les autres. Mais pour toi, aura un parfum différent. Ton travail aura une senteur différente. Ton travail aura une odeur différente. Ton travail aura un toucher différent. Ton travail aura une particularité. Il y aura quelque chose d'exceptionnel sur ce que toi tu as fait. Un toucher différent, un sens différent, un produit différent, une finition différente. C'est à cause de quoi? Ce n'est pas forcément parce que tu es meilleur que les autres. Non, mais c'est à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, numéro un, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, et pourquoi tu as réellement besoin d'elle, c'est qu'elle te donne un statut. Elle te donne un statut. Elle te donne un nom. Elle te donne une identité. Lorsqu'on lit le livre de Ruth, chapitre 2, verset 9, Ruth dit à Boaz, comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux? Ruth était allée dans le champ de Boaz pour aller glaner, pour aller ramasser les maïs qui tombent, les grains de maïs qui tombent et les maïs qui tombent parce que c'était la récolte. Les gens étaient en train de récolter. Et comme Naomi était revenue en Israël, elle n'avait rien pour pouvoir vivre. Ruth est donc partie dans le champ de Boaz pour ramasser ce qui traîne. Beaucoup de filles ramassaient ce qui traînait, mais c'est elle que Boaz a remarqué. Et au verset 10, Boaz dit, j'ai entendu parler de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère. Je suis au courant que tu es une Moabite. Je sais que tu as quitté ton pays pour suivre ta belle-mère. Et comment tu l'as soutenu? Que Dieu, que le Dieu d'Israël se souvienne de toi. Ça veut dire que le petit sacrifice que Ruth a fait là, à cause de la grâce de Dieu qu'elle a trouvé aux yeux de Boaz, ce sacrifice a été amplifié. Et au verset 10, elle dit à Boaz, ah, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est la grâce de Dieu qui a donné à Ruth le mari qui était Boaz. C'est pourquoi je veux qu'en ce jour tu appelles la grâce de Dieu. C'est la grâce qui a donné à Ruth le mari qu'elle a eu. Lorsqu'elle arrivait en Israël, elle n'avait rien. Lorsqu'elle arrivait en Israël, elle n'était pas connue. Elle ne pouvait même pas avoir de position en Israël. Sa belle-mère était veuve. Sa belle-mère n'avait plus de fils. Sa belle-mère était vieille. Elle ne pouvait plus se marier. Ruth n'avait pas d'avenir. Mais là où il n'y avait pas d'avenir, la grâce de Dieu a installé un avenir. Là où il n'y avait pas d'espérance, la grâce de Dieu a installé une espérance. Quand tu vois le cas de Esther, Esther chapitre 2 verset 9, pareil, lorsque le roi Assuérus a décidé de prendre une nouvelle femme, il y avait beaucoup de filles dans le royaume d'Assuérus qui sont allés postuler pour être la prochaine reine à la place de Vasti. Esther a aussi été envoyée par Mardoché. Mais la Bible dit le jour Esther est venue devant Egaï, l'eunuque qui s'occupait de préparer celle qui allait concourir dans cette affaire-là, dès qu'il a vu Esther, elle a trouvé grâce à ses yeux. Esther chapitre 2 verset 9, elle a trouvé grâce à ses yeux. Elle a trouvé grâce à ses yeux. Ruth chapitre 2 verset 10 et verset 13. Ruth chapitre 2 verset 10 et verset 13. Esther, c'est Esther chapitre 2 verset 9. Esther a trouvé grâce aux yeux de Egaï. Quand elle a trouvé grâce aux yeux de Egaï, voici ce qui s'est passé. Egaï lui a donné les meilleurs éléments pour qu'elle se prépare, les meilleurs produits cosmétiques, les meilleurs conseils cosmétiques, et il lui a donné 7 filles pour être à son service, et il a logé dans la meilleure partie du palais, dans la meilleure partie du palais. Toutes les jeunes filles qui sont passées devant Egaï, il n'a pas fait cela pour elles. Esther n'était pas la plus belle, mais Esther avait la grâce sur elle. Les autres n'avaient pas la grâce. Les autres n'avaient que leur beauté. Les autres n'avaient que leur prestance. Les autres n'avaient que leur sourire. Les autres n'avaient que leurs yeux et leur teint, leur taille et leur forme. Mais Esther, elle avait les yeux. Esther, elle avait la taille. Esther, elle avait la forme. Esther, elle avait le teint, mais Esther avait la grâce. Quand tu as la grâce, tu as un statut. Quand tu as la grâce, tu es démarqué. Quand tu as la grâce, tu es visible. Quand tu as la grâce, tu ne peux pas être anonyme. C'est pourquoi je te demande en ce jour, pendant que tu suis ce message, dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin
besoin de ta grâce. La grâce de Dieu dans les affaires va te démarquer. Les clients vont venir sans que tu ne fasses d'effort. La grâce de Dieu dans les affaires va te démarquer. Tu vas signer des contrats au-delà de ton espérance. La grâce de Dieu dans ton ministère, la grâce de Dieu dans ton foyer, tu seras la meilleure épouse qu'on n'a jamais vue. Tu seras le meilleur époux qu'on n'a jamais vu. La grâce de Dieu peut t'aider à éduquer tes enfants, te donner un statut de père. Elle peut te donner un statut de mère. Elle peut te donner un statut de mari, d'époux. Elle peut te donner un statut d'épouse. Elle te donne un statut d'homme d'affaires. La grâce de Dieu positionne. Quand on lit Genèse chapitre 39 verset 4 au sujet de Joseph. Joseph est rentré dans un pays qui lui était totalement étranger. Joseph était hébreu, il est rentré en Égypte et il est rentré comme esclave en Égypte. À la base, tu rentres comme esclave en Égypte, tu n'as pas d'avenir. Mais la Bible dit en Genèse chapitre 39 verset 4 que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a percé en Égypte? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a percé en Égypte? C'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a percé en Égypte? C'est la grâce de Dieu. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, l'onction descend sur toi et la grâce de Dieu t'est accordé. L'onction descend sur toi et la grâce de Dieu t'est accordée. La Bible dit en Hébreux 12, 15 que veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Je prie en ce jour, tu ne seras plus jamais privé de la grâce de Dieu. Le manque de la grâce dévalorise le travail. Le manque de la grâce dévalorise les efforts. Le manque de grâce dévalorise l'intelligence, dévalorise la sagesse, dévalorise la connaissance. Mais quand la grâce est là, le statut est là, la position est là, le nom est là, la gloire est là, la percée est là, la grâce vient sur toi en ce jour. La grâce vient sur toi en ce jour. Qu'est-ce qui a fait Marie? Qu'est-ce qui a fait Marie? Luc chapitre 1 verset 28. La Bible dit que l'ange Gabriel a dit à Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est la grâce de Dieu qui a fait Marie. Marie n'était pas la seule vierge en Israël, mais la grâce de Dieu l'a élue. Selon Romains 11, 5, la Bible dit, en ce temps présent, il existe un reste selon l'élection de la grâce. La grâce a élu Marie. La grâce a élu Marie. La grâce a élu Marie. Et elle a eu un statut parmi les femmes de cette terre, parmi les femmes de ce monde. Aujourd'hui, pendant que tu me suis, la grâce de Dieu vient sur toi et elle te donne un statut. La grâce de Dieu te donne une identité dans le domaine des affaires, dans le domaine des finances, dans le domaine du mariage. Quel que soit le secteur où tu avais un manque de grâce, Dieu t'accorde sa grâce. 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 Reçois la grâce et que ton statut change à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. La grâce de Dieu en numéro 1, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te donne un statut. Elle te donne un nom. Elle fait qu'on te voit. On ne peut pas te négliger. On ne peut pas te mépriser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand la grâce est sur toi, tu es là et tu es visible. On a envie de travailler avec toi. On a envie de t'écouter. On a envie de collaborer avec toi. On a envie de parler avec toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu dégages. Quand Potiphar a vu Joseph pour la première fois, il ne l'a plus laissé partir. Quand Boaz a vu Ruth pour la première fois, il ne l'a plus laissé partir. Quand Assuérus a vu Esther pour la première fois, il ne l'a plus laissé partir. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, Boaz a épousé Ruth en même temps. Boaz a épousé Ruth en même temps. Boaz a épousé Ruth. Si tu as besoin de la... Depuis, tu n'arrives pas à te marier. C'est certainement un manque de grâce. Aujourd'hui, la grâce du mariage vient sur toi.
et le joug est brisé au nom de Jésus. Donc Boaz a vu Ruth, il a marié en même temps parce qu'elle a dégagé quelque chose. Elle était moabite, il y avait beaucoup de jolies filles juives, mais Boaz a remarqué quelque chose de différent en Ruth et il n'a pas voulu laisser partir Ruth. Quand Assuérus a vu Esther, il y avait beaucoup de jolies filles qui étaient perses ou mèdes. Mais Assuérus a vu quelque chose de spécial en Esther. Il ne l'a pas laissé partir. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu viendra sur toi. La Bible dit en Psaume chapitre 31, verset 17. Fais luire ta face sur ton serviteur. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Sauve-moi par ta grâce. En Proverbe chapitre 22, verset 1, la Bible dit la réputation vaut plus que les richesses. La réputation vaut plus que les richesses. Et la grâce plus que l'or et que l'argent. La réputation vaut mieux que les richesses. Et la grâce plus que l'or et plus que l'argent. Tu as besoin de la grâce de Dieu. 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 Dans les secteurs de ta vie où tu en manques, reçois au nom de Jésus. Donc, première chose que la grâce fait, te donne un statut. Numéro 2, la deuxième chose que la grâce de Dieu fait lorsqu'elle vient dans ta vie, la deuxième chose qu'elle fait, c'est que la grâce enlève l'opprobre. La deuxième chose, c'est-à-dire la première chose que la grâce fait quand elle vient dans ta vie, elle fait quoi? Elle te donne un statut, elle te donne un nom. Elle te donne un statut, elle te donne un nom. La deuxième chose que fait la grâce lorsqu'elle vient dans la vie de quelqu'un, c'est qu'elle enlève, l'opprobre. L'opprobre, c'est la honte. Ce qui fait que tu as honte, c'est la grâce quand elle vient dans ta vie, elle retire cette chose-là. Luc chapitre 1, verset 25, Élisabeth qui était tombée enceinte disait ceci, car le Seigneur m'a fait grâce. Lorsqu'il a porté ses yeux sur moi et qu'il a enlevé mon opprobre parmi les hommes, le Seigneur m'a fait grâce. Il dit, c'est ainsi que Dieu m'a fait grâce. Lorsqu'il a jeté ses yeux, il a mis ses yeux sur moi et qu'il a enlevé mon opprobre parmi les hommes. L'opprobre qui était dans la vie d'Élisabeth, la chose qui rendait Élisabeth honteuse, c'est que Élisabeth était stérile et Élisabeth était devenue vieille et son mari Zacharie aussi était devenu vieux. Donc tout le monde se moquait d'eux dans leur ville. Les gens rigolaient d'eux. Les gens avaient conclu sur Élisabeth. Ils avaient verrouillé Élisabeth. Ils avaient tiré une conclusion. Ils disaient, Élisabeth ne va jamais enfanter, que Zacharie l'a mariée pour rien. Élisabeth est inutile, improductive. Les gens faisaient d'Élisabeth leur sujet de causerie. C'est pourquoi lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a caché sa grossesse pendant 6 mois. Faut pas que quelqu'un va attaquer sa grossesse. Les gens avaient prophétisé déjà sur Élisabeth. Comme toi aujourd'hui, les gens te regardent. On dit, lui, elle va jamais rien devenir. Celle-là, elle ne deviendra jamais rien. Certains ont déjà fait des pronostics sur toi. Certains ont déjà conclu sur ta carrière professionnelle. Certains ont déjà conclu sur ton ministère. Certains ont déjà conclu sur ton mariage. D'autres même disent que tu vas vieillir, tu vas mourir célibataire. D'autres disent que tu vas mourir sans enfant ou bien que tes enfants seront une honte pour toi. Certains ont déjà déclaré ces prophéties-là et ils attendent que tu meurs pour dire qu'ils avaient raison. Ils attendent que les choses arrivent pour dire qu'ils avaient raison. Mais Dieu a honni ceux qui se moquaient d'Élisabeth quand il lui a envoyé sa grâce. Quand la grâce de Dieu est venue sur Élisabeth, elle s'est attaquée immédiatement à l'élément qui créa la honte dans la vie d'Élisabeth. Peut-être que ton cas, c'est une maladie cachée dont les gens n'ont pas connaissance. Aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, la grâce de Dieu vient sur toi, elle localise cette maladie et l'arrache par sa puissance. Peut-être que toi aussi, tu es marié, mais tu n'arrives pas à enfanter comme Élisabeth. Et cela crée un opprobre dans ta vie. La Bible dit en Josué chapitre 5, verset 9, la Bible dit que Dieu dit à Josué, j'ôte aujourd'hui, à Josué, au peuple d'Israël, j'ôte aujourd'hui
de dessus vous l'opprobre d'Égypte. L'opprobre d'Égypte. Lorsqu'ils étaient à Gilgal, après que Josué eut circoncis tous les enfants d'Israël, la nouvelle génération qui allait rentrer à Canaan, Josué les a tous circoncis. Dieu dit aujourd'hui, je roule de dessus vous. Je roule de dessus vous. Je roule de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Qu'est-ce qui était l'opprobre de l'Égypte sur le peuple d'Israël? C'était l'esclavage. L'esclavage était une marque spirituelle, une marque physique sur le peuple d'Israël et qui pouvait être une honte, un handicap dans l'épanouissement d'Israël. Donc Dieu a enlevé cette opprobre-là par sa grâce. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth et c'est ce qui va se passer dans ta vie. L'élément qui crée la honte, l'élément qui fait dans ta vie, qui est présent dans ta vie, qui fait que lorsque tu marches, tu ne peux pas affronter certains regards. Lorsqu'il y a des réunions de famille, tu ne peux pas te rendre à ces réunions-là à l'aise. Lorsqu'il y a des, tu rencontres tes anciens amis avec lesquels tu as fait l'école, avec lesquels tu as fait l'université, avec lesquels tu as grandi, tu ne peux pas les affronter parce qu'il y a quelque chose qui est absent dans ta vie. Sur quoi il s'appuie pour se foutre de toi, quel que soit le secteur, ça peut être pour l'enfantement, ça peut être dans le mariage, ça peut être pour le mariage, ça peut être pour les affaires, ça peut être financier, ça peut être spirituel, mais quel que soit ce qui fait ton opprobre, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette opprobre est arrachée, cette opprobre est arrachée, cette honte là, cet élément qui sponsorise la honte dans ta vie, cet élément qui sponsorise la gêne dans ta vie, cet élément qui fait que tu es mal à l'aise, que tu peux être content, mais à un moment donné, tu ne peux plus être content parce que ça revient dans ton esprit, ça revient dans tes yeux. Aujourd'hui, Dieu enlève cette honte là. Dieu enlève cette honte là. Dieu enlève cette honte là. En Genèse 34, 14, Siméon et Lévi ont dit non, ce serait pour nous un opprobre que de donner notre sœur à des gens, à quelqu'un qui est incirconcis. Ils ont refusé l'opprobre. Ils ont refusé la honte. Ils ont refusé la gêne. Aujourd'hui, je prie pour toi. Pendant que tu es en train de me suivre, la grâce de Dieu localise l'opprobre qui est dans ta vie, dans tes finances, dans ta vie maritale, dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de ta localité, cette opprobre-là qui te gêne, qui empêche que tu sois à l'aise. Pour ça, afin que Dieu intervienne, crie au Seigneur, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Et que ta grâce vienne enlever cette opprobre-là. Que ta grâce vienne enlever cette opprobre-là. Cette opprobre-là, cette honte-là qui est dans mes finances, arrache-la par ta grâce. Cette honte-là qui est la pauvreté. La pauvreté est un opprobre. La pauvreté est une honte. Que Dieu, par sa grâce, arrache la pauvreté de ta vie. Le célibat, lorsque tu es en âge de te marier et le célibat insiste, ça peut être une honte. Que Dieu enlève cette honte-là de ta vie. La stérilité, alors que tu es marié, peut être une honte ou du moins est une honte. Que Dieu enlève cette honte-là de ta vie. Quel que soit le domaine, tu travailles, tu n'avances pas dans le travail. Aucune promotion, aucun développement. Ton salaire n'est pas productif. Aucune économie. Tu n'as rien, tu es toujours sur le fil du rasoir. Dieu, par sa grâce, visite tes finances. Dieu, par sa grâce, visite tes entrailles. Dieu, par sa grâce, visite ton travail. Le fait que tu n'arrives pas à avoir de diplôme, tu as depuis là. Depuis là, tu te bats dans les études, tu n'avances pas. Ce qui crée cette honte est enlevé au nom de Jésus. L'opprobre de ta santé, cette maladie qui te gêne, qui te dérange, par la grâce de Dieu, cette maladie est arrachée aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, cette maladie est arrachée aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Envoie ta grâce dans mon corps pour me donner la santé. Envoie ta grâce dans mes finances, Seigneur, pour me rendre riche. Envoie ta grâce dans mon foyer pour mettre la paix et la stabilité. Envoie ta grâce dans mes enfants pour qu'ils soient un bon modèle, pour qu'ils soient ma couronne. Envoie ta grâce dans mon mari, dans ma femme, Seigneur, pour que chacun soit une bénédiction. Envoie ta grâce dans mon ministère pour un développement et une prospérité véritable. Envoie ta grâce, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Que l'opprobre soit ôté de ma vie, que l'opprobre
l'opprobre soit ôté de ma vie. Que l'opprobre soit ôté de ma vie. Je crie à toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. En Somme 31, 17, tu dis, fais luire ta face sur ton serviteur et sauve-moi par ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La Bible dit, il n'en est pas ainsi. Il n'en est pas de même du don gratuit comme de l'offense. Je crois, Romains chapitre 5, verset 15. Il n'en est pas du même de... Il n'en est pas de même de l'offense et du don gratuit. Car si par l'offense d'un seul, il y en a eu plusieurs qui sont morts. Si par l'offense d'un seul, il y a eu plusieurs qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce de Dieu, oui, qui seront répandus sur plusieurs. Et cette grâce et ce don sont venus par Jésus. Et cette grâce et ce don de la grâce se répandront sur plusieurs. Se répandront sur plusieurs. Se répandront sur plusieurs. Je prie pour toi pendant que tu m'écoutes. La grâce de Dieu se répand sur toi. La grâce de Dieu se répand sur ta femme. Elle se répand sur ton mari. Elle se répand sur tes enfants. Elle se répand sur tes affaires. Elle se répand sur tes études, elle se répand sur ton corps, elle enlève la honte, elle enlève la honte, elle enlève la honte, parce que la grâce de Dieu est différente de l'offense. L'offense envoie la mort, mais la grâce envoie la vie. La grâce envoie la vie. Reçois la grâce et que l'opprobre soit ôté de ta vie, au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. La grâce enlève la honte, frère. Elle relève la tête. Elle relève la tête. Lorsque les frères de Joseph ont retrouvé Joseph en Genèse chapitre 45, lorsque Joseph s'est révélé à eux, ils étaient étonnés. La tête de Joseph était relevée. Joseph était digne. Il était solide. Béni de toutes sortes de bénédictions. Béni de toutes sortes de bénédictions. Célestes, financières, maritales. Il était à l'aise. Joseph s'était développé. La grâce l'avait béni. La grâce l'avait béni. La grâce l'avait béni. La grâce l'avait béni. Elle avait béni Joseph. Ainsi, tous ceux qui se sont moqués de toi, et que jusqu'à présent tu fuyais parce que tu n'as rien à présenter. Ta mère peut-être même se moque de toi. Ton père même te dit n'est pas fier de toi. Tes frères ne sont pas fiers de toi. Ils disent que tu es l'aîné et tu n'apportes rien. Là où tu entends ma voix, le Seigneur change cette situation. Et ceux qui s'étaient moqués de toi, ils te retrouveront. Mais ta tête sera levée. Tu seras debout et tu pourras parler. Comme un homme parle, comme une femme parle. Ceux qui se sont moqués de toi. Élisabeth a souffert pendant des années. Comme Anne, qui avait souffert pendant longtemps. Mais quand la grâce de Dieu a visité Élisabeth, tout son entourage est venu à la présentation de son fils Jean-Baptiste. C'était un événement dans toute la ville. Parce que la grâce qu'elle te visite, elle te fait connaître. C'est ce que j'ai dit en numéro 1. Elle te donne un statut. Quand la grâce a visité Élisabeth, Élisabeth a eu un nom. Elle a eu un nom. Son mari, Zacharie, a eu un nom. C'est un ange qui est venu lui parler. La grâce est brutale. Elle est brutale. Elle arrive pour te faire du bien. C'est pourquoi arrête de t'inquiéter. Arrête de te casser la tête. Dieu te visite par sa grâce aujourd'hui. Et il va alléger ta vie. Il va alléger tout ce qui te concerne. Il va alléger ton travail. Il va alléger la gestion de ton entreprise. Tout ce que tu faisais, Dieu va l'alléger par sa grâce. Il va l'alléger par sa grâce. Dieu va l'alléger par sa grâce. Dieu va l'alléger par sa grâce. Reçois la grâce de Dieu pour ôter tout opprobre de ta vie, pour ôter toute honte de ta vie, toute tache de ta vie,
Tout élément qui rabaissait ta tête est enlevé, est arraché, et ta tête est relevée. Dans tes finances, la tâche qui était dans tes finances est arrachée. Dans ta santé, la tâche qui était dans ta santé, elle est arrachée par la grâce de Dieu. La puissance de Dieu travaille et Dieu se manifeste dans ta vie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus d'opprobre dans ta vie, plus de honte dans ta vie, plus de gêne dans ta vie. Mais au contraire, la joie et la célébration sont ton partage. La dignité et la victoire sont ton partage. Ta tête est relevée, ta tête est relevée, ton dos est redressé. Dieu restaure ta dignité par sa grâce. Il 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 restaure ta dignité par sa grâce. Ma Kabbalah, en Hébreux chapitre 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru quand nous sommes dans le besoin. Pour être secouru quand nous sommes dans le besoin. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce afin d'être secouru lorsque nous sommes dans le besoin. Tu es dans le besoin pendant que tu me suis. Tu as besoin d'un domaine particulier. Tu as besoin que le Seigneur te secoure. Tu as besoin que Dieu intervienne dans cette situation de confinement que le monde entier est en train de connaître. Peut-être que tu es en train de te soucier pour la fin du mois, te soucier pour ton salaire, te soucier pour comment tu vas manger dans les semaines à venir? Comment tu vas faire tes courses? Peut-être que ton compte peut être à l'épreuve. Tu te poses des questions, tu te demandes. Dieu aujourd'hui te répond par sa grâce. Reçois sa grâce depuis le trône de Dieu. La grâce de Dieu vient pour t'aider. Tu regardes ton foyer, tu as besoin que ton foyer soit redressé. Avec ton mari, ça ne va pas. Avec ta femme, ça ne va pas. C'est difficile pour que vous vous entendiez. Tu sens qu'il y a un problème, mais tu ne sais pas comment régler le problème. La grâce de Dieu vient régler ce problème que tes propres efforts, tes propres techniques n'ont pas pu régler. Tu as besoin parce que ton âge est en train d'avancer. Tu veux te marier, tu peux avoir tes enfants. Tu es inquiet, ton mari et toi, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. La grâce de Dieu sort du trône de Dieu sur la base d'Hébreux 4:16. Elle arrive dans ta vie et cette pauvre-là et cette honte-là est arrachée au nom de Jésus. La grâce vient te donner le secours. Dieu te donne son secours. Jéhovah te donne son secours. El Olam te donne son secours. El Jibor te donne son secours. Jéhovah Sabaoth te donne son secours. Jéhovah Tikenou te donne son secours. Jéhovah Rapha te donne son secours. Elohim te donne son secours. Yahweh te donne son secours. Yahweh te donne son secours. Yahvé te donne son secours. Il te donne son secours. Jésus te donne son secours. Le Saint-Esprit te donne son secours. La grâce parle pour toi aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Ayamakate, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras pas de la grâce de Dieu. Si tu as reçu, mets-moi le plus long amen. Et je te donne le troisième point et nous terminons. Donc, je t'ai dit en premier lieu, lorsque la grâce de Dieu vient dans ta vie, elle fait quoi? Elle te donne un statut, elle te donne un nom, elle te donne une identité. En deuxième, je t'ai dit que la grâce de Dieu enlève l'opprobre, c'est-à-dire la honte. Ce qui fait que tu as honte, tu ne peux pas affronter les gens. Ce qui fait que tu es gêné, ta vie est heureuse à moitié. Il y a quelque chose d'incomplet dans ta vie, quelque chose d'inachevé dans ta vie. La grâce de Dieu vient régler cela. Quand elle vient, elle règle cela. Maintenant, en troisième chose que la grâce peut faire dans ta vie, pourquoi tu dois crier au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La troisième chose que tu dois savoir au niveau de la grâce, c'est que la grâce est liée à la vérité. La grâce est liée à la vérité. Donc, tu as crié au Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce.
pour que ton statut change. Tu dis, Seigneur, change mon statut, envoie ta grâce. Après, tu as prié pour dire, Seigneur, enlève l'opprobre de ma vie par ta grâce. Ok. Mais la troisième chose que je vais te montrer, c'est que la grâce de Dieu est liée à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas de grâce sans vérité. Si tu cries à Dieu pour avoir la grâce, pour avoir sa grâce, pour que Dieu vienne t'aider, dans le secteur tu veux qu'il vienne t'aider, dans le secteur tu veux qu'il vienne t'alléger, ou tu veux qu'il vienne t'épauler, tu dois dire la vérité. Tu dois marcher dans la vérité. Tu ne peux pas demander la grâce à Dieu et puis être à la fois dans le mensonge. La grâce ne peut pas marcher avec le mensonge. Non, elle marche avec la vérité. Elle est liée à la vérité. C'est pourquoi quiconque demande la grâce de Dieu doit aussi dire la vérité. Il doit parler selon la vérité. En Jean chapitre 1, versets 16 à 17, la Bible dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quand Jésus est rentré dans le monde, en Hébreux 10, 2, la Bible dit, c'est pourquoi le Christ en entrant dans le monde, le Christ entrant dans le monde dit. Donc quand Jésus est rentré dans le monde, il n'est pas rentré seul, il est rentré avec la grâce et il est rentré avec la vérité. Les deux sont venus avec lui. C'est pourquoi si tu veux que la grâce de Dieu vienne réellement changer ton statut, si tu veux que la grâce de Dieu vienne aujourd'hui ôter l'opprobre qui est dans ta vie, il faut qu'à partir de ce jour où tu entends ma voix, tu puisses commencer à parler selon la vérité et à marcher selon la vérité. Dis la vérité. Ne mens plus et arrête de mentir. Colossiens 3, 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres. Arrête de mentir. Si réellement tu veux que Dieu entende ta prière pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, et Dieu se manifestera dans sa grâce, arrête de mentir. Parce que le mensonge ne va pas avec la grâce. C'est la vérité qui marche avec la grâce. Quand Jésus est rentré dans le monde, il est rentré avec la grâce et la vérité. Les deux. Il est rentré avec les deux. Donc si toi tu as besoin de la grâce, si nous avons besoin de la grâce aujourd'hui, il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, que la grâce va et compose avec quoi? Avec la vérité. À partir d'aujourd'hui, dis la vérité. Parle selon la vérité. Arrête de mentir. Ne mens pas. Ne mens pas. Si tu veux que Dieu t'aide, si tu veux que Dieu t'apporte cette aide-là, qui va, n'est-ce pas, réduire et te priver d'efforts herculiens, d'efforts supplémentaires dans les finances, dans tous les domaines pour évoluer, tu dois dire la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité, et Jésus lui-même est trempé dans la vérité. Si on doit diviser le passage de Jean chapitre 14 verset 6, si on devait le diviser en trois, on dirait: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce qu'on dirait si on devait être partagé en trois. On dirait: je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Jésus est la vérité. De ta bouche doit sortir la vérité. Le mensonge n'est pas bon, frère. En Jean 17, 17, Jésus dit: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dis la vérité. Si tu veux voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie, dis la vérité. Ne mens pas. Parce que le mensonge est le pilier du royaume de Satan. La vérité fait partie de la personne de Jésus. Jean 14, 6, il dit: je suis la vérité. La vérité fait partie de la personne divine. Mais le mensonge fait partie de la personne satanique. Quand tu mens, tu te soumets au diable. Quand tu dis la vérité, tu places une plateforme favorable à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie.
C'est pourquoi en Jean 8, 46, Jésus dit, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Mais au verset 44, au verset 43, 44, il dit aux Juifs, vous faites l'œuvre de votre père. Il est menteur depuis le commencement. Vous avez pour père le diable. Et quand il ment, il parle de son propre fond. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et il est le père du mensonge. Vous voyez, non? Donc, si je veux que Dieu entende cette demande qui dit, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Change mon statut, enlève ce qui fait la honte dans ma vie, je dois marcher selon la vérité. Le mensonge aujourd'hui est devenu monnaie courante parmi les hommes, parmi les femmes. Le mensonge est dangereux. Le mensonge est dangereux, ça donne l'opportunité à Satan de descendre dans ta vie. Si tu mens, tu te livres au diable. Si tu dis la vérité, tu te livres à Jésus. En Jean chapitre 17, verset 19, j'ai déjà cité, Jésus dit, j'ai cité le verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Au verset 19, il répète pratiquement la même chose. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. En Marc 11, 24, il dit, en vérité, je vous le dis. En Matthieu chapitre 17, verset 20, il dit, en vérité, je vous le dis. La vérité est nécessaire. La vérité est indispensable. La vérité est obligatoire. Si tu ne veux pas marcher dans la vérité, tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu. Parce qu'elle fonctionne uniquement avec la vérité. La vérité produit la mort. 1 Roi chapitre 13, la vérité produit la vie. Le mensonge du moins, plutôt, produit la mort. 1 Roi chapitre 13, verset 18. Un prophète a menti à un autre prophète. Ce prophète est mort. Alléluia. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, les gens mentent aisément. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans ce système. Ils mentent. Il n'y a pas de petit mensonge. À partir d'aujourd'hui, dis la vérité à ton mari. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à tes enfants, surtout les enfants. Pensons à qu'est-ce que nous avons laissé comme image de nous-mêmes et image de Dieu et de notre Dieu à nos enfants. Si ton enfant te demande quelque chose, que tu n'as pas d'argent, dis-lui « je n'ai pas d'argent ». Ça ne va pas te rabaisser devant ton fils, devant ta fille. Dis-lui, j'ai pas d'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais t'acheter ça. Mais ne lui mens pas. Quand tu as l'argent et que tu ne veux pas acheter, parce que tu estimes qu'il n'en a pas besoin, dis-lui, tu n'en as pas besoin. Parle selon la vérité à tes enfants. Comme ça, demain, eux aussi te parleront selon la vérité. Mais si tu mens à tes enfants aujourd'hui, demain, tes enfants te mentiront. Dis la vérité à ta femme. Dis la vérité à ton mari. Parlez-vous selon la vérité. Quand vous parlez, il ne doit pas avoir de mensonge entre vous. Dis la vérité à tes employés. Dis la vérité à ton employeur. Tu es en retard, tu es en retard. Ça fait quoi? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Tu les appelles, ils vont voir ton appel. Ils vont voir l'appel, ils ne vont pas décrocher. Hein? Ils voient l'appel, ils ne décrochent pas. Et puis, après, ils te rappellent. Ou bien tu le rappelles encore, tu dis, mais la dernière fois, je t'ai appelé, Joe, qu'est-ce que tu n'as pas décroché? Ils vont mentir. Ah non, mon frère, je n'ai même pas vu, mais peut-être j'étais occupé, téléphone, mais ce n'est pas où j'ai mis. Tu as quel problème? Quand tu vas lui dire, j'ai vu, mais j'étais occupé, je ne voulais pas décrocher, il va t'envoyer où? Tu as vu, tu n'as pas décroché, il va t'envoyer où? Tu lui dis ça? Tu dis, oui, j'ai vu, mais je ne voulais pas parler, j'étais fatigué, je voulais me reposer. C'est pourquoi je te rappelle maintenant, sinon j'ai vu ton appel. Il va te faire quoi? Elle va t'envoyer où? Si à cause de ça, tu ne veux plus me parler, ça c'est ton problème. Mais beaucoup de chrétiens sont devenus des menteurs, ils mentent à cause des téléphones. D'autres mentent à leurs employeurs. Non, c'est le train. Vraiment, le train, il y avait un truc, c'est pour ça que je suis en retard. Pourquoi? Faut dire que tu as dormi, tu t'es réveillé, Dieu ne va jamais te faire perdre ton emploi parce que tu as dit la vérité. C'est pas possible. Ton emploi, au contraire, ton employeur même là va te respecter. Parce qu'il va dire non, celui-là il ne me ment jamais. Donc s'il te confie une tâche dans l'entreprise et qu'il y a un problème, la version que tu vas lui donner, il va croire. Pourquoi? Parce que tu as établi entre vous deux la vérité. Jésus lui-même le disait la vérité. Quand on lit Jean chapitre 14 à partir du verset 1, il dit, croyez en moi, croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Jésus est assez courageux. Il dit, si je n'avais pas plusieurs demeures dans la maison de mon père, qu'il y avait juste un peu là, comment vous le dire? Le mensonge là, on ment parce qu'on craint les hommes, parce qu'on a peur de ce qu'on va perdre. On a peur de ce que l'autre va dire. Non, il faut avoir peur de Dieu, n'est pas peur de l'homme.
aies peur de Dieu. Dis la vérité aux gens. Tu as bloqué le numéro de quelqu'un, le jour il te voit, il dit, mais quand j'essaie de t'appeler, ça ne passe pas. Dis-lui, j'ai bloqué ton numéro. Si il te demande pourquoi tu as bloqué, tu lui dis pourquoi tu as bloqué ton numéro. Il va te faire quoi? C'est ton téléphone, tu bloques qui tu veux. Tu veux pas, tu veux plus voir quelqu'un, tu lui dis je ne veux plus te voir. Tu veux plus être en amitié avec quelqu'un, tu lui dis je ne veux plus être en amitié. Il va te faire quoi? Si tu veux la grâce de Dieu, ce que je dis est très sérieux. Regardez aujourd'hui, cette pandémie de coronavirus, c'est le résultat de quoi? Le résultat du mensonge. Ces milliers de personnes qui meurent, c'est le résultat de quoi? Du mensonge. Des gouvernements qui ont menti à leur population. Des scientifiques qui ont caché les choses qu'ils faisaient. En Chine, quand ça a commencé en Chine, selon les médias, quand ça a commencé en Chine, il y a un médecin chinois qui avait lancé l'alerte pour dire qu'il y a un virus qui arrive, qui sera terrible. Les autorités chinoises lui ont fermé la bouche, ils ont porté plainte contre lui pour dire qu'il est en train de divulguer de fausses informations. Mais le type est mort de cette maladie, finalement il a eu raison. Le mensonge est en train de tuer des milliers de personnes. À la télévision, est-ce qu'on vous dit toujours la vérité? Non! Le mensonge est en train de tuer. Cette pandémie-là, c'est le fruit du mensonge. Donc, tu penses que tu t'en sors, tu mens à ta femme aujourd'hui, tu mens à ta femme demain, tu mens à ta femme. Un jour, la vérité va sortir. Dieu va envoyer ce que tu fais là à la lumière et tu auras honte. Pour ne pas avoir honte demain, dis la vérité aujourd'hui et la grâce de Dieu sera ton partage. Quand cette pandémie-là va finir, on va entendre beaucoup de choses. Hein? On va entendre beaucoup de choses. Souvenez-vous de l'Irak. Bush a menti en disant qu'il partait sauver le peuple irakien. Parce que Saddam Hussein avait une arme chimique pour tuer son peuple. Mais finalement, c'était pourquoi? Pour voler son or. C'était un voleur. Pour aller voler l'or de ton camarade, tu mens sur ton camarade. Mais la vérité est sortie. Ils pensent qu'ils sont heureux. Dieu va les juger pour ça. Les chrétiens aujourd'hui dans l'église, beaucoup de gens se mentent. Le type a 2 fiancés, 3 fiancés. Et puis ça va encore faire la cour à une autre soeur. Tu as quel problème? Des hommes qui sont mariés, qui vont dire à des jeunes filles qui cherchent un avenir, je ne suis pas marié. Ou bien entre ma femme et moi, ça ne va pas. On est sur le point de divorcer. Tu as quel problème? Tu veux la grâce de Dieu? Dis la vérité. Ça va t'aider. Dis la vérité. La vérité libère l'âme. La vérité fait du bien. Il n'y a pas de petite vérité, il n'y a pas de petit mensonge. La vérité, c'est la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Tu as faim, tu dis j'ai faim. Pourquoi tu fais semblant de trucs? Des gens qui ne sont pas en jeûne, qui disent j'ai jeûné. Tu n'as pas jeûné, tu as mangé, tu te caches pour manger. Tu dis j'ai jeûné, tu as jeûné où? Tu t'es caché pour manger, tu as eu faim, tu ne pouvais plus tenir. Il faut dire j'ai eu faim, je ne pouvais plus tenir. Qui va te faire quoi? C'est ton corps, tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas jeûner. Après, tu te débrouilles pour rejeûner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Si c'est maintenant que tu l'as pris en cours, je t'en supplie. Quand on va couper, reprends le début et regarde, écoute ce message une fois, deux fois, trois fois. Les versets vont rentrer en toi et le message va rentrer en toi. On a pratiquement fini. Parle selon la vérité. Parce que la grâce marche avec quoi? Avec la vérité. La grâce marche avec la vérité. Si tu es dans la vérité, tu seras toujours heureux. Tu seras toujours à l'aise. Tu seras toujours libre. Tu seras toujours libre. Tu n'auras pas besoin chaque fois de trouver une phrase pour t'expliquer, pour te justifier. Tu seras toujours à l'aise. Tu ne vas pas te sentir coupable de quelque chose. Même si ce que tu vas dire là ne t'arrange pas, il faut dire. Si c'est la vérité, c'est-à-dire on t'a demandé, la vraie réponse ne va pas t'arranger, il faut dire la vérité. Ton cœur sera en paix, Dieu sera content, Dieu va te défendre. Dieu va te défendre. Dieu ne laisse jamais tomber un enfant de Dieu qui est dans la vérité, parce que la vérité triomphe toujours. Yes. Donc, la première chose que je t'ai dite, que la grâce de Dieu fera dans ta vie, c'est que la grâce de Dieu changera ton statut. C'est pourquoi tu dois prier pour dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. La deuxième chose que la grâce de Dieu fera dans ta vie, c'est qu'elle va enlever ton opprobre. Elle va ôter ton opprobre. Ce qui te fait honte là, sera ôté totalement. Ce qui te fait honte sera ôté. Et Dieu te fera du bien. Et la troisième chose que je t'ai dite, pour que les deux choses qui sont en premier soient effectives, il faut que tu sois dans la vérité. Parce que la grâce de Dieu est liée à quoi? Elle est liée à la vérité. En Jean chapitre 8,
Verset 30 à 32, la Bible dit, Jésus dit à ceux qui crurent en lui, parce que, alors que Jésus, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Tu vois, c'est ce que la vérité fait. La vérité rend libre. La vérité affranchit. La vérité rend libre, elle affranchit. De ta bouche doit sortir la vérité. Parle selon la vérité. Ne mens pas, ne mens plus, ne mens point. Sois libre, libère-toi, libère ton entourage, libère ton mari, libère ta femme, libère tes amis, tes collègues, libère-les. En plus, si tu es un chrétien, tu n'as pas le droit de mentir parce que Jésus est la vérité et il veut que tu sois dans la vérité. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Je prie pour toi, pendant que tu as suivi ce message, à partir d'aujourd'hui, le statut financier dont tu avais besoin, le statut social dont tu avais besoin, le statut marital dont tu avais besoin, le statut étudiantin, écolier, collégien dont tu avais besoin, le statut dans cette vie dont tu avais besoin, le statut dans ta carrière musicale, ta carrière sportive, peu importe le domaine, là où tu avais besoin que Dieu fasse explosion, que Dieu te fasse exploser, que Dieu te fasse percer, je prie aujourd'hui que le Seigneur, par sa grâce, te fasse percer. Que le Seigneur, par sa grâce, Ayakabade, te fasse percer. Que le Seigneur te fasse évoluer. Que le Seigneur te fasse grandir. Ce que tu n'as pas pu avoir par ton père. Ce que tu n'as pas pu avoir par ta mère. Ce que tu n'as pas pu avoir par ta famille. Ce que tu n'as pas pu avoir par tes propres contacts. Ce que les hommes ont refusé de te donner. Ce que les femmes ont refusé de te donner. Ce que tes efforts, tes calculs, tes statistiques, tes prévisions n'ont pas pu te donner. Que la grâce de Dieu te le donne. 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 Tout ce qui manque à ta vie pour que tu sois équilibré, pour que tu sois béni, pour que tu te sentes heureux et achevé. Que la grâce t'accorde cela. Mais dans le même temps, que ce qui est présent dans ta vie, que ce soit dans ton sang, que ce soit dans tes os, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans ton mariage, quel que soit le domaine, ce qui est présent, qui est une honte, qui est une tâche, qui est une ride, qui est un handicap, que par la puissance de Dieu, la grâce l'arrache totalement. Que cet opprobre-là soit levé de ta vie pour toujours et que Dieu change totalement ta vie. Qu'il envoie un équilibre parfait. Au nom de Jésus, que la vérité soit attachée à ta langue. Que la vérité soit attachée à ta langue. Que la vérité soit attachée à ta langue et qu'elle soit abondante dans ton cœur afin que tu parles selon la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment. Pendant ce message où tu cries, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Chaque fois que tu vas prier, après ce message, dans tes temps de prière, là où tu auras besoin de la grâce, Dieu te visitera au nom de Jésus et tu ne manqueras point de grâce de Dieu. Je vais prier pour ceux qui sont malades et prier en même temps pour contre cette pandémie. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, quelle que soit la maladie, mets le nom de la personne. Dieu visitera cette personne. Père Saint, je veux prier en ton nom. Pour quiconque est malade et est en train de suivre ce programme, je prie Dieu que tu interviennes. Je prie Seigneur que tu étendes ta main et que tu guérisses cette personne. Là où tu entends ma voix, si tu es malade de l'asthme, tu es guéri. Tu es malade du diabète, tu es guéri. Si tu es malade de l'insuffisance rénale, tu es guéri. J'exerce la domination sur les ulcères, sur les fibromes, sur les kystes, sur la cécité, sur le mutisme, sur la surdité. J'exerce la domination sur les maladies de dos, sur les maladies de colonne vertébrale, les maladies des os, sur la paralysie, sur la fièvre. J'exerce la domination sur le coronavirus. J'exerce la domination sur la toux. J'exerce la domination sur la fièvre, sur le paludisme. J'exerce la domination sur l'impuissance sexuelle, sur la stérilité. J'exerce la domination sur les trompes bouchées. Quel
quelle que soit la maladie qui a pu être diagnostiquée dans ta vie ou dans la vie d'un de tes bien-aimés, aujourd'hui, la personne et toi-même, vous êtes guéri. Tu es 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 guéri. Mets la main là où tu as mal. La guérison vient à toi. Si tu as une maladie dans tes poumons, tu es guéri. Tu as une maladie dans ton cœur, tu es guéri. Tu as une maladie dans ta gorge, tu es guéri. Une maladie dans ta poitrine, tu es guéri. Une maladie dans ton ventre, dans ton estomac, tu es guéri. Tu as des règles douloureuses, tu es guéri. Quel que soit le mal dans tes mains, dans tes bras, dans tes doigts, dans tes genoux, dans tes chevilles, tu es guéri. Exode 15, 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Maintenant, reçois la guérison. En Jérémie 17, 14, il dit « Seigneur, si tu sauves moi, je serai sauvé. Guéris-moi et je serai guéri. » Maintenant même, tu reçois la guérison. En Jérémie chapitre 33, verset 6, il dit « Je leur donnerai la guérison. Je lui donnerai la santé. Je le guérirai. » Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions contre cette pandémie, comme nous avons pris l'habitude depuis deux samedis maintenant. Nous prions contre cette pandémie du coronavirus. Nous arrêtons son évolution. Nous arrêtons son évolution. Seigneur, que le nombre de guéris augmente et que le nombre de malades baisse. La Bible dit en Matthieu 18, 18 que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Seigneur, je lis toutes les activités du coronavirus dans tous les pays où il est présent. Je désactive ses œuvres. Que tout le plan machiavélique, politique qui est derrière cette affaire soit détruit et désarçonné. Au nom de Jésus. Seigneur, les statistiques qui disent que les morts augmenteront, que ces statistiques soient des mensonges. En Ésaïe 7, 7, la Bible dit « Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. » Je détruis les statistiques, je brise l'aiguillon du coronavirus, que les malades baissent en nombre et que les guéris augmentent, que les infectés baissent en nombre, que l'expansion de cette maladie soit restreinte, réduite et rétrécie au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, Seigneur, intervient, sauve l'humanité. Je prie pour l'Italie, je prie pour les États-Unis, je prie pour tous les pays africains, je prie pour tous les pays européens, je prie pour tous les pays américains, je prie pour tous les pays asiatiques, tous les pays de l'Océanie. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Et que le plan satanique qui est derrière cette maladie soit détruit, qu'il ne puisse pas voir le jour, qu'il ne puisse pas se manifester. Protège tes enfants, protège les humains, protège ton église, protège ton peuple et que le diable soit dans la honte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse abondamment. Si tu as écouté ce message, tu dis, évangéliste, je veux me réconcilier avec le Seigneur. Je veux donner ma vie à Dieu. Baisse la tête là où tu es chez toi. Et puis répète ces prières après moi. Père, je te remercie pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu n'iras plus jamais en arrière, mais tu iras toujours de l'avant. Tu ne seras plus jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Tu ne seras plus jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons terminé. Juste le temps de passer une, deux annonces. Et nous prierons pour la fin. Merci d'avoir été là, d'avoir suivi. Partagez ce direct. Partagez le live. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la page. D'aimer la page. Vous aimez la page. Vous vous abonnez. Et aussi, activez les notifications.
Si tu actives les notifications chaque fois que je ferai un post ou chaque fois que je suis en direct, tu vas recevoir la notification et tu pourras, n'est-ce pas, te connecter assez rapidement pour suivre les activités. Donc, active la notification. Invite aussi d'autres personnes pour aimer la page, pour s'abonner et activer la notification pour, n'est-ce pas, pour qu'on puisse marcher devant le, avec le Seigneur ensemble. Donc, nous avons un groupe de prière là, déjà c'est sur dans les commentaires, voilà notre frère Romain Franck Alapini l'ami. Donc on a, n'est-ce pas, un groupe de prière sur Skype, donc pour prier, pour se développer dans la prière, grandir dans la prière. Notre séance de prière c'est tous les mercredis de 21 à 22h heure de Paris. Donc déjà demain nous avons la prière. Si tu veux rejoindre le groupe, tu cliques sur le lien qui est là. Donc tu regardes déjà le commentaire. Je vais remettre en dessous encore pour que tu puisses voir. Donc, si tu as déjà Skype sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, tu fais quoi? Tu cliques simplement sur le lien qui est là, que je viens même de mettre en commentaire. Tu cliques simplement sur le lien. Tu vas rejoindre le groupe. C'est Luc 181 en référence à Luc 18, verset 1. OK. Si tu n'as pas Skype, tu veux rejoindre le groupe ou prier avec nous, tu fais quoi? Tu installes Skype sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. C'est gratuit. Et puis, n'est-ce pas, tu rejoindras le groupe pour prier. Nous, quand tu viens prier, tu ne donnes pas tes sujets de prière. Non, c'est moi qui donne les sujets de prière. Et on prie ensemble, vraiment une heure de prière à fond. Dieu va se manifester dans ta vie et tu verras. Si tu as des sujets, tu me les donnes en privé. Donc, voilà. Donc, je t'invite vraiment à ne pas négliger, s'occuper tes dés. Donc, le groupe est là, le lien du groupe est là, accepte, rentre. Et puis, demain, nous prierons ensemble à partir de 21h de Paris, 19h GMT. Notre prochain rendez-vous sera donc vendredi pour notre étude biblique. Donc, ne rate pas l'étude biblique. Et puis, certainement, samedi, nous serons là encore pour prier. Jusqu'à ce que le coronavirus disparaisse physiquement, nous serons là pour prier. Certainement que samedi à 11h30, je serai là pour qu'on puisse prier ensemble. Invite des personnes, toi-même sois connecté pour qu'on puisse prier. Et dimanche, comme j'ai dit, Dieu m'a dit d'être là tous les dimanches jusqu'à ce que le confinement finisse. Donc dimanche à 11h30, sois connecté. Dimanche 11h30, sois connecté. Nous aurons notre live spécial pour le culte le dimanche à 11h30. Donc sois connecté. Donc notre prochain rendez-vous, demain mercredi pour le groupe Skype, vendredi pour l'étude biblique ici en direct sur Facebook, et puis dimanche pour le culte à 11h30 en direct sur Facebook. Dieu vous bénisse abondamment. Nous prions pour la fin. Répète après moi ces paroles. Nous prions pour la fin. Répète après moi ces paroles. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Va, triomphe, réussis, perce. Aucun malheur, aucun fléau pour toi, mais la grâce de Dieu travaillera pour toi. Tu ne manqueras plus jamais de grâce de Dieu. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et oui, mon numéro. Ok. Il est où le numéro? Donc, mon numéro est là sur votre écran pour quiconque veut me contacter pour des témoignages, pour la prière. Tu peux m'envoyer un SMS sur WhatsApp ou sur Telegram. J'attends juste quelques secondes que ça apparaisse chez vous. Sur WhatsApp ou même sur Telegram, mon numéro est là. Tu peux m'écrire. Et puis pour un témoignage de ce que Dieu a fait, quelqu'un était malade, quelqu'un a mis son nom, j'ai prié, tu es guéri, tu peux m'écrire pour me rendre. Voilà, le numéro apparaît sur votre écran déjà. Pour les témoignages, pour les prières, tu écris. Donc, le numéro est là sur WhatsApp, sur Telegram, je suis connecté. Ou bien par message directement sur la page, tu peux aussi m'écrire là. Et Dieu se glorifiera. Ceux qui étaient malades pour qui j'ai prié, Dieu t'a guéri. Écris pour rendre témoignage. Et pour donner aussi tes sujets de prière, si tu veux me contacter, c'est mon numéro direct. Dieu te bénisse. Ciao.